Essayez toute façon, dis pas bon vent. Y'a pas un nom qui capte une jangalaï. Y'a pas un nom pour prendre la main. Jangalaï, si vous t'en janga, faut pas tout n'a. Jangalaï. Essayez toute façon, des parents. Famille Blanche menace de suspendre les dons qui contribuent à la prospérité de notre église, frère Roland. De plus, vous n'êtes pas sans ignorer qu'avec cette abolition, l'État ne tardera pas à suspendre son allocation per capita pour chaque nègre, homme, femme, enfant baptisé. Vous les avez bien baptisés. Rassurez-moi. Les opinions négrophiles et la protection publique que vous avez affichée envers ce Roméo nous a mis dans une fâcheuse position. J'ai appliqué les principes chrétiens d'égalité et de fraternité. C'est de Dieu. Dieu n'a pas d'enfant chéri. Tous ses enfants lui sont chers, utiles à la terre. Chacun à sa manière. L'amour du prochain, comme toute chose, doit être modéré, frère Roland. Savez-vous, frère Roland, que c'est un athée qui est à l'origine et à la rédaction de ce décret d'abolition? Ce Victor Schœlcher n'a pas de Dieu. On dit même qu'il est franc-maçon. Si Dieu avait voulu donner son opinion, aurait-il choisi un athée? Les nègres sont les descendants de Cham. Et Cham n'a-t-il pas été maudit par Noé, son père? Il est dit que la couleur de leur peau est le signe de leur damnation. Et saint Augustin ne présente-t-il pas l'esclavage comme la conséquence logique, logicum causa, du péché? Mais les voies du Seigneur sont impénétrables. Dieu peut changer la vie, cela s'est vu. Il n'y a pas si longtemps, la terre était plate et soudain. Oui, jusqu'à présent, Dieu a préféré l'homme blanc, mais il n'est pas exclu qu'un jour, une âme noire soit accordée au peuple noir. Quoi qu'il en soit, notre rôle est de faire que ces nègres se comportent en bons chrétiens. Évangélisation, contrôle des consciences, le paradis contre la patience, enfin, la charité chrétienne, mon ami, la charité chrétienne, et rien de plus. Les dignitaires de l'Église ont fait de la parole de Dieu une libre déconnaissance, modulable. Comme la loi du commerce est prête à justifier tout ce qui est profitable aux profiteurs. Et les sorciers maléfiques tissent dès lors avec le fil de la misère humaine. Grand Dieu, quel est l'événement qui nous portera ta lumière? L'objet qui pourra éclairer nos consciences aujourd'hui. Maman m'a dit comme ça, papa. Je ne pourrais pas te garder, laisse les bonnes personnes parler, va rencontrer ta cousine, les propos sortis d'un néo, vous allez les déranger. Ah, maman m'a dit, ça m'a dit qu'il fallait me noyer, si jamais m'a touché, moi ce matin.